C'est l'heure du bilan en vidéo où on en est, les gars et les filles. Bonjour, c'est le moment de faire le bilan de la semaine passée et de présenter les nouveaux objectifs. Au niveau voxel, on vous a enregistré le podcast numéro 8, je l'ai monté et on l'a publié. On pourra se battre avec la Scorpio. Envie des combats de consoles chez soi. C'est génial la guerre des consoles, mais en vrai. Oh, mais oui, c'est ça. Console Amiibo. Il est arrivé tardivement, seulement dimanche, parce qu'il y a eu problème d'enregistrement comme d'habitude, hein. La moitié du son de copain du web a explosé. Fiabilité, j'ai dû attendre donc confirmation pendant une journée, la journée où je devais le monter justement, finalement apprendre qu'il n'y avait pas ce son. Heureusement il y avait la sauvegarde, c'est pour ça que la deuxième moitié, le son de copain du web est dégueulasse. Normalement ton corps est censé compenser, là il le fera pas, donc il y aura peut-être un truc bizarre. En tout cas, répercussions, parce que moi, toutes mes journées sont déjà prévues. Forcément, si y en a deux perdues, ça fout la merde. Notamment, Equinox, Retro, Voxel. Nous avons tourné la première partie complètement, là. Début de la session 1.2 de Equinox. Le morceau qu'on voulait refaire. Du coup, j'ai pas eu le temps de commencer le montage. Voilà. Oui. Au niveau tir, je me suis donc fait mon visionnage, et effectivement, il y avait des problèmes. En rajoutant mon grain, qui est incrusté donc avec un mode particulier, les endroits où il y a du vide dans la vidéo, en fait, le grain apparaît. Ça fait un espèce de machin blanc. Et j'ai noté tous les endroits qu'il faut que je rectifie maintenant. Et au niveau site, donc j'ai fait une petite retouche au responsive design, mais il en reste. Ça non plus, c'est pas terminé, vraiment parce que j'ai envie de rajouter un truc. Petit bouton pour avoir accédé aux informations qui du coup ne sont plus visibles en responsive design. Je trouve ça dommage. Petit bouton qui, hop, fait glisser directement jusqu'en bas. Encore des choses à implémenter. Ça y est, on est dans le présent. Alors, cette semaine, la grotte, il faut que je vous montre celle de mai 2016. Je sais pas si je vais avoir le temps parce qu'il y a pas mal de trucs à mettre en place, notamment au niveau voxel. Il faut que je commence à monter la première partie du rétro gaming sur Equinox. Il serait temps, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une vidéo en dehors des podcasts et des lives, mine de rien. Il faut qu'on tourne les sketchs du voxel numéro 41. On n'est pas encore trop clair sur qu'est-ce qu'on va faire. Et je peux vous annoncer, ce jeudi à 18h30, on fait un live spécial fête du cinéma. Mais c'est le voxel, c'est en mode jeu vidéo. Sur la très bonne proposition de Mimit, c'est un jeu donc en mode full motion vidéo, FMV, hein, ça n'existe plus, mais c'est un jeu récent, d'ailleurs ça n'a pas du tout marché. En mode prise de vue réelle, mais c'est un jeu quand même d'aventure. Ça va être intéressant de découvrir ça. Et en plus, au milieu de ce live, Mimit justement vous fait un concours aux petits oignons en mode cinéma. Il a fait des visuels, vous répondez, vous pouvez gagner une clé de Don't Starve. En plus, c'est un vrai concours. Faut être là, jeudi, sur Twitch. On compte sur vous, hein. La dernière fois, c'était moyen au niveau du nombre de personnes. On était 9, donc... En tout cas, ça va être délirant. Le jeu en lui-même et le petit concours, là. Mais c'est pas tout, moi. Faut que je continue sur les tigres. Une journée réservée à rectifier tous ces problèmes de grains, d'images dégueulasses. Et aussi le site, encore une journée à rectifier les trucs de responsive design intégré, un nouveau bouton. Ça reste varié et complet. Et ça permettra dans les semaines à venir d'avoir quelques vidéos à vous balancer quand même, il serait temps. Bon, on se retrouve jeudi parce que vous serez tous là jeudi 18h30 sur Twitch. Puis on se retrouvera lundi prochain pour un nouveau bilan sur nicubic.com. Ouais, c'est pas terrible. Bon, j'ai pas de gag de fin, tant pis, vous en passerez cette fois. Rematez les anciens, il y en a des très bons, hein, qui méritaient d'être regardés plusieurs fois.